Angela, à vous, Angela. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. La Bible l'appelle le maître du temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui a permis que nous puissions être là en ce moment. Je pense que beaucoup de nos frères et sœurs ont eu des problèmes de transport par rapport à tout ce que nous savons ces derniers temps en France. Il y a peut-être aussi ceux qui ont travaillé, mais toi qui es ici présent, le Seigneur savait que tu allais être là. C'est pour cela que tu dois bénir le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai que nous sommes en train d'aborder un sujet depuis la retraite. Pourquoi veiller et prier? Alléluia. Pourquoi veiller et prier? Bien-aimés, est-ce que tu es satisfait de ta vie de prière? Est-ce que ta vie de prière te satisfait? Alléluia. Si cette vie est satisfaite, bien aimé, moi je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous contenter, alléluia, de ce que nous voyons ou de ce qu'on a. Nous devons toujours chercher à aller en profondeur. Alléluia. Parce que ta vie chrétienne, la vie que tu as aujourd'hui ne peut pas te satisfaire. Parce que si ta vie te satisfait aujourd'hui, ça veut dire que c'est bon pour toi, tu ne peux plus prier. Or, le monde dans lequel nous vivons nous réserve beaucoup de surprises. Alléluia. C'est pour ça que si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, bien-aimés, nous allons tomber dans les plans de l'ennemi. Nous risquons vraiment de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je voulais bien expliquer le mot veiller et prier. Alléluia. C'est deux verbes qui sont différents, mais spirituellement parlant, ils doivent marcher ensemble. Alléluia. Tu peux veiller et pas prier. Alléluia. Ou prier et pas veiller. Or, ici, la Bible nous recommande de veiller et de prier. Donc, ça doit marcher ensemble. Alléluia. Amen. Ici, veiller, le Seigneur veut juste nous dire que nous devons être vigilants. Alléluia. Nous devons être vigilants. Des fois, on comprend mal la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu lis la Bible, demande la révélation. Amen. Tu peux voir veiller comme ça quand tu lis la Bible, tu crois qu'il faut venir veiller de minuit à 5 heures comme nous avons l'habitude de faire. Or, quand la Bible nous demande de veiller, c'est vraiment qu'un enfant de Dieu doit être vigilant. Un enfant de Dieu doit être prudent. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être prudent, pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Alléluia. Tu dois veiller parce que même l'ennemi, quand il vient t'attaquer, il ne va pas te prévenir. C'est pour cela que tu dois être vigilant. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois être prudent. Tu dois être attentif. Alléluia. Amen. Parce que si tu sais que l'ennemi ou le voleur viendra te voler à la maison, tu vas prendre toutes les précautions. Mais comme tu ne sais pas à quel moment le voleur pourrait venir chez toi, c'est pour cela que tu dois être éveillé. Quand on dit éveillé, ce n'est pas que tu vas rester les yeux ouverts toute la nuit. Non. Quand on parle du réveil, bien-aimé, c'est dans le plan spirituel. Un enfant de Dieu, charnellement, tu peux dormir parce que le sommeil est fait pour dormir. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, un enfant de Dieu ne dort jamais. Amen. Amen. La Bible déclare que la chair est faible. La chair, c'est cette chair qui est déchue. Mais l'esprit est disposé. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit qui a été renouvelé. Amen. Alléluia. Ton esprit doit toujours être disposé. C'est pour cela que quand la parole de Dieu nous dit prier sans cesse, bien-aimé, ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier parce que je suis au travail. Bien-aimé, un enfant de Dieu a l'esprit et la chair. Alléluia. Tu peux être au travail en train de travailler, mais tu pries. C'est ça l'esprit. Même dans le bus, tu es dans le bus assis, tu regardes tout ce que tu as regardé, mais un enfant de Dieu, son esprit doit toujours être en prière. Et plus ton esprit sera en prière, c'est ce qu'on dit, veillez. Alléluia. Quand tu es tout le temps en prière, c'est à ce moment-là que ton esprit est éveillé. Et quand ton esprit est éveillé, bien aimé, le Seigneur te prévient des choses qui vont venir. Alléluia. Parce que tu es éveillé. Celui qui veille, bien aimé, ne sera jamais surpris. Amen. Amen. Tu ne seras jamais surpris parce que lorsque tu verras l'ennemi venir t'attaquer, quand l'ennemi viendra t'attaquer, tu vas le voir. Tu ne seras pas surpris.
Alléluia. Amen. Tu seras toujours attentif. Celui qui est éveillé, bien-aimé, prend toujours soin de tout ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là quand l'ennemi viendra, il ne pourra pas te voler parce qu'il trouvera que tu as les yeux ouverts. Pas les yeux ouverts charnels ou physiques, mais les yeux ouverts spirituels. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Soyez sobres, soyez vigilants, soyez attentifs. Alléluia. Amen. Parce que l'adversaire ne dort jamais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous avons à lutter contre l'esprit. Alléluia. Amen. Le diable, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand toi aussi, ton esprit est vigilant, le diable saura que chez toi, il ne pourra pas rentrer. Amen. Parce qu'il saura que tu vas le voir. Un voleur qui vient voler chez toi, dès qu'il va voir que tu es là, il va partir. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, comme il ne dort pas, ça dit que Jésus-Christ aussi ce matin dit que ton esprit ne doit jamais dormir. Oui. Amen. 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 Ton esprit ne doit jamais dormir. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple. Même si tu es au travail, ton esprit est en prière. Même si tu es en train de faire ton linge, ton esprit est en prière. C'est pour cela que tu remarqueras des fois dans ta vie, tu fais du ménage ou tu fais un travail, tu es en train d'adorer. Tu chantes. Alléluia. Toi, tu chantes, tu crois que tu chantes par ignorance. Non, c'est ton esprit qui est déjà connecté. Alléluia. Tu es éveillé au travers de la prière. Alléluia. Prier, bien aimé, c'est converser avec Dieu. Dieu est esprit. Ça dit, ce n'est pas ta chair qui doit prier, mais c'est ton esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. La prière, c'est le seul moyen qui nous pousse à atteindre Dieu. Si tu pries réellement, tu verras que tu seras en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière, nous savons aussi que c'est l'une des clés qui ouvre les ciels. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 63, verset 3, ô toi qui écoutes les prières, alléluia, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viennent à l'Éternel parce que nous savons qu'il écoute. Si tu es là, bien-aimé, tu n'es pas venu parce que quelqu'un t'a poussé. Si tu es venu parce que quelqu'un t'a poussé, nous on priera pour toi pour que le Seigneur te comble. Alléluia. Si tu es là parce que tu sais que tu es venu rencontrer quelqu'un, parce que tu reconnais en toi qu'il y a un être qui est supérieur à toi. Et cet être suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et peut-être que tu es là parce que tu as un problème particulier. Peut-être que tu es là parce que tu as un souci. Peut-être que tu es là parce que tu as une maladie incurable. Alléluia. Tu sais qu'en venant dans la présence de l'Éternel, il y aura quelque chose qui va se passer. Alléluia. C'est ça la prière. La prière, c'est une clé qui ouvre les portes qui sont fermées. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie, bien-aimée? Si tu reconnais que dans ta vie, il y a des portes qui sont fermées, bien-aimée, tu as la clé. Amen. Amen. Et cette clé, c'est la prière. C'est la prière qui a la capacité de débloquer toutes les situations difficiles. Amen. Amen. C'est la prière qui a la capacité de briser les chaînes. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, si tu sais qu'il y a un problème difficile dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas fermer les bras. Tu ne peux pas croiser les bras. Alléluia. Nous avons une clé. La prière. Alléluia. Amen. La prière nous rapproche de Dieu. La prière est un moyen par lequel Dieu a choisi pour satisfaire les besoins de l'homme. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, bien aimé, tu dois t'approcher de Dieu. Il y a d'autres personnes qui croisent les bras en disant que Jésus-Christ a déjà payé à la croix. Oui. Mais si le Seigneur t'a créé, bien aimé, le Seigneur veut aussi avoir cette intimité avec toi. Alléluia. Si nous regardons dans la Bible, bien aimé, dans le livre de Genèse, Dieu, pour créer les animaux et tout, pour créer les océans, les mers, la Bible dit que Dieu a parlé. Alléluia.
Que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Mais quant à l'homme, pour créer l'homme, la Bible dit qu'il a pris dans sa main. Alléluia. Dans sa main, il a pris la poussière, il a fabriqué l'homme. Ça veut dire qu'en fabriquant, quand tu as cette sensation de toucher à quelque chose, ça veut dire que tu veux comprendre quelle est cette chose et tu veux créer vraiment une intimité entre toi et cette chose. Alléluia. C'est comme une maman qui vient d'accoucher, vous verrez toujours l'habitude de garder son bébé sur elle. Même si le bébé dort, il vient là, il touche. Alléluia. Parce que la maman veut créer l'intimité entre elle et le bébé. C'est comme notre Dieu. S'il nous a créés par ses propres mains, il attend aussi une intimité entre lui et sa créature. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi tu as un problème, mais tu ne vas pas voir ton créateur, bien aimé, tu n'auras jamais de solution. Tu peux aller voir ta mère, ton père, ta famille. Ta famille peut te secourir aujourd'hui. Alléluia. Mais la Bible nous dit que le secours ne vient que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Amen. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur a besoin de cette intimité. Le Seigneur a besoin de toi pour créer encore cette relation. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, je lis à partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Amen. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas veillé une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen et acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole, parce que c'est la parole qui nous fait vivre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ici nous voyons que Jésus-Christ, qui était souvent avec ses disciples, à un moment donné, nous tous nous savons que Jésus-Christ est venu pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. La mission de Jésus-Christ était de venir sauver le monde. Alléluia. C'était celui de donner le salut à l'humanité entière. La mission de Jésus, il fallait que Jésus-Christ vienne, meure et ressuscite. Alléluia. Ça veut dire qu'il est arrivé à un moment où Jésus-Christ avait compris que l'heure était arrivée. Alléluia. L'heure était arrivée où il devait mourir. Il devait partir. Alléluia. Où il devait accomplir sa mission. La Bible nous dit qu'il a pris avec lui trois de ses disciples. Il a pris Jacques, Pierre et Jean. Alléluia. Et la Bible nous confirme qu'il a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont été présents pendant que nous étions en train de parler de notre vie en Christ, on a parlé de Jésus en tant qu'humain. Alléluia. Jésus-Christ, en tant qu'humain, il a aussi prouvé de la souffrance. Amen. Jésus-Christ avait la chair comme toi et moi. Amen. Une chair qui est appelée à la souffrance. Une chair qui est appelée à l'angoisse. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a approuvé de la frayeur et de l'angoisse. Ça veut dire que même toi, aujourd'hui, bien-aimé, si tu te retrouves dans un lit de l'hôpital, si le médecin te dit qu'il te reste quelques heures, je pense que tu vas prouver la même chose. Tu vas prouver de l'angoisse. Tu vas prouver de la tristesse. Pourquoi? Parce que tu vas regarder tout autour de toi. Tu vas abandonner tes enfants. Tu vas abandonner ton mari, ta femme, les enfants. Tu vas abandonner ton entourage. Alléluia. Ça nous approuve de l'angoisse. Alléluia.
pour des êtres chers que tu vas laisser dans le monde. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, il a éprouvé de la frayeur. Il a eu peur de la mort en tant qu'humain. Alléluia. Mais en réalité, il savait qu'il devait arriver à ce point-là. Alléluia. Il savait qu'il devait accomplir sa mission. Sa mission, c'est lui d'aller à la croix. Alléluia. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Les sentiments de l'homme. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand est-ce qu'on approuve? On éprouve la tristesse, bien-aimée. Nous savons tous. Il savait qu'en tant qu'humain, il devait quitter son entourage. Il devait quitter ses frères. Alléluia. Il devait quitter ses disciples. Il a éprouvé de la tristesse. Mais ça, c'est l'âme. Alléluia. Mais son esprit était disposé. Pourquoi? Parce qu'il savait le chemin qu'il avait emprunté. Amen. Jésus-Christ leur dit, restez ici éveillés. Amen. Restez ici éveillés. Jésus-Christ ne les a pas demandé de rester et de dormir, mais restez éveillés. Amen. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, en tant qu'humain, il a vu les choses qui devaient lui arriver. C'est pour cela que la vie de Jésus était remplie de vie, c'était une vie de prière. La Bible dit que plus tu seras en prière, plus tu seras attentif, plus tu seras vigilant. Jésus-Christ, c'est sa vie de prière qui lui a permis aussi d'accomplir sa mission. Alléluia! Parce que ici, nous voyons comment Jésus, en tant qu'homme, il a commencé à avoir peur et il a demandé à son Père d'éloigner de lui la coupe. Alléluia! D'éloigner de lui cette coupe de douleur. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Comme nous avons des problèmes, où est-ce que nous nous tournons? Nous nous tournons vers les hommes ou nous nous tournons vers Dieu? Parce que Jésus-Christ savait qu'il avait une mission à accomplir et qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mandaté. Alléluia. C'est comme toi et moi aussi. Nous avons une mission à accomplir sur terre. Personne ne peut dire que je suis venu sur terre, je n'ai pas de mission. C'est faux. Parce que si tu n'avais pas de mission, tu serais parti mort depuis longtemps. Mais si tu existes encore, si tu as encore en vie aujourd'hui, c'est pour accomplir une mission. C'est pour ça que quand les choses ne vont pas dans ta vie, quand tu vois qu'il y a des tourments, il y a des pièges devant toi, c'est vers l'Éternel que tu vas te tourner. Amen. 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 Parce que la Bible déclare qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Alléluia. C'est lorsque tu es fatigué que tu dois aller te ressourcer. Mais comment tu dois aller te ressourcer, bien-aimé? C'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière que nous trouvons notre force. Jésus-Christ, il s'est adressé à son Père. Il a dit, s'il était possible que cette heure s'éloignât de moi. Alléluia. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe toutefois, non parce que je veux. Alléluia. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu as un problème, que tu n'arrives pas à trouver la solution, nous devons aller regarder vers l'Éternel. Alléluia. Et lorsque nous regardons à l'Éternel, la Bible dit, il est souverain. Ce n'est pas notre volonté qui doit s'accomplir. Alléluia. Lorsque tu pries, ne prie pas par rapport à ta volonté. Ne prie pas parce que tu veux que les choses se passent ainsi. Mais prie par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Si tu pries dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a dit, Seigneur, pas selon ma volonté. Parce que pas selon ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que je sais que Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Alléluia. Parce que Jésus savait que le Seigneur, s'il avait voulu, il pouvait aussi enlever la coupe. Alléluia. Mais comme c'était dans sa mission, comme c'était dans le plan de Dieu, alléluia, il fallait que cette chose arrive. Alléluia. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Alléluia. C'est pour ça qu'au début, je vous avais posé la question, est-ce que tu es satisfait de ta vie de prière? Est-ce que tu es satisfait? La façon dont tu pries là, est-ce que ça te convient? Ou bien tu dois encore rajouter?
Alléluia. Amen. Tu n'as pas pu prier une heure. Ça veut dire qu'ici, le Seigneur a remarqué cette négligence de la vie de prière parmi ses disciples. Sûrement, il se disait, comme il y a Jésus avec nous, on n'a pas besoin de prier. Parce qu'il est déjà là. Alléluia. Mais or, Jésus, quand il demandait à ses disciples de prier, parce qu'il voyait déjà ce qui devait arriver. Et ce qui devait arriver, ce n'était pas facile. C'était difficile. Alléluia. C'est pour cela qu'il a exhorté à ses disciples de prier. Ce matin, Jésus-Christ nous exhorte, bien-aimés. Ce n'est pas facile. La vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas facile. Mais Jésus te dit ce matin, veille et prie. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver juste après la sortie du culte. Alléluia. Jésus sait qu'il y a des tentations. Et ces tentations-là, nous les verrons tous les jours de notre vie. Alléluia. Et comme les tentations seront tous les jours de notre vie, c'est pour cela qu'il nous invite à prier, à veiller et à prier. Amen. Jésus-Christ a vu que ce qui devait lui arriver était tellement immense. Il regarde les disciples qui dorment, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, l'église dort. Amen. 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 L'église dort, malgré tout ce que nous voyons dans ce monde. Malgré tout ce que nous voyons, bien-aimé, mais l'église dort. Bien-aimé, l'église c'est toi, c'est moi. Amen. Nous dormons, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut nous réveiller. Si le Seigneur nous parle de la prière, parce qu'il a remarqué que dans l'église, parmi ses enfants, il y en a beaucoup qui dorment. Alléluia. Il y a beaucoup qui dorment, bien-aimés. Je répète encore, quand on dit dormir, ce n'est pas le sommeil que tu dors chez toi à la maison. Dormir, c'est dans le domaine spirituel. Tu dors, tu ne pries pas. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui juste parce que tu n'as pas prié. Mais si tu avais prié peut-être avant, le Seigneur t'aurait montré des choses. Alléluia. Mais quand tu n'es pas en intimité avec cette personne-là, bien-aimé, quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu va te révéler des choses. C'est comme un homme et une femme. Lorsqu'ils sont dans l'intimité, il n'y aura pas de secret. Amen. Il n'y aura pas de secret. Mais toi, tu ne veux pas aller dans les secrets vers l'Éternel. Il t'attend dans les secrets, mais toi, tu n'es pas là. Il t'attend dans les secrets, mais tu es absent. Alléluia. Bien-aimé, dans l'intimité. Il se passe beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé, mais tu es tranquille. Amen. Cela ne te dérange même pas. À l'école, ça ne va pas, mais tu trouves ça normal. Tu dis que Dieu va agir, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais il t'attend pour que vous puissiez trouver la solution ensemble. Alléluia. L'église dort. Ce matin, le Seigneur veut nous réveiller. Il veut nous réveiller parce que lui, il voit les dangers qui sont devant nous. Les dangers que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous allons prier, nous allons rentrer en intimité avec lui, il va nous dire des choses. Amen. Amen. Mais venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Participer à la retraite que l'Église nous appelle, c'est bien. Mais, bien-aimé, l'intimité avec Dieu, quand tu es seul chez toi à la maison, bien-aimé, le Seigneur va te parler plus qu'à l'Église. Parce qu'à l'Église, il peut y avoir des distractions. Il peut y avoir peut-être des sujets qui ne te concernent pas. Mais lorsque tu es toi-même dans l'intimité, dans ta maison, avec Dieu, bien-aimé, ça c'est moi que tu vas écouter Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va te parler. Alléluia. Parce que nous avons l'habitude de parler, de prier, prier, prier. On ne peut pas écouter Dieu. Or, lorsque nous prions, ça dit que nous parlons. Tu parles. Il faut que ton interlocuteur aussi te réponde. Ne laisse pas le temps que pour toi. Alléluia. Tu parles, tu parles, tu parles, mais à un moment, tu dois te retenir pour écouter aussi la personne à qui tu as adressé la parole. Amen. Amen. Le Seigneur nous attend dans l'intimité, bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. C'est vrai qu'ici parmi nous, il y a des gens qui ont projeté des choses dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Amen. Tu ne sais
sais pas ce qu'est la vérité des airs. Bien-aimé, mais lorsque tu vas prier, lorsque tu vas veiller, c'est à ce moment-là que Dieu va te parler. Dieu va te dire que les projets que tu avais là, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas dans ma volonté. Laisse tomber. Bien-aimé, tu vas laisser tomber. Alléluia. Mais quand tu fais des choses que par ta propre volonté, bien-aimé, tu vas échouer. Parce que tu n'associes pas Dieu. Dieu n'est pas ton associé. Alléluia. Mais lorsque tu associes Dieu dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes études, alléluia, dans tout ce que tu fais, c'est à ce moment-là que Dieu va comprendre que tu as vraiment besoin de lui et tu as compris que sans lui, tu ne peux rien faire. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur a observé vraiment que parmi ses disciples, il y avait cette faiblesse, il y avait ce découragement, il y avait vraiment ce manque d'esprit de prière. Alléluia. Donc nous aussi aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous pousse à avoir cet esprit de prière. Même s'il n'y a pas de veillée à l'église, même s'il n'y a pas de culte mardi, jeudi, mais toi, tu dois cultiver ton moment d'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cultiver ton moment d'intimité. N'attends pas seulement le mercredi ou le vendredi pour prier. Alléluia. C'est ce que le pasteur nous dit toujours. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur Bible qu'à l'église. Alléluia. Que à l'église. Mais or, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux prendre la parole, tu peux méditer, le Seigneur peut te parler. Alléluia. Au travers de la Bible. Le Seigneur peut te parler aussi comme ce matin, au travers d'une prédication. Alléluia. Le Seigneur peut te parler aussi au travers d'un enfant. Amen. Le Seigneur peut te parler même à travers de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère. Alléluia. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Mais ce qu'il nous demande, c'est l'intimité avec lui. Amen. Nous devons passer beaucoup plus de temps avec Dieu qu'avec les choses qui ne glorifient pas les noms de l'Éternel. Quand j'ai dit passer le temps avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler. Alléluia. Dieu est esprit. Donc ça veut dire que ton esprit doit être toujours en connexion. Alléluia. Nous passons beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Alléluia. Bien aimé, c'est une vraie distraction. C'est vraiment une vraie distraction. Parce que tu remarqueras que tu peux rester même sur Facebook pendant une heure, deux heures sans te rendre compte. Mais si on te demande seulement de prier pendant 10 minutes, tu es fatigué. Bien aimé, ce n'est pas toi. C'est l'ennemi. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que tu pries. L'ennemi t'empêche de prier parce que si tu pries, tu verras beaucoup de choses. Si tu pries, tu vas comprendre sa stratégie. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'emmène dans la distraction. Alléluia. Travailler, c'est bien, bien aimé. Mais nous savons que il y a deux fois, lorsque nous travaillons, tu travailles déjà 8 heures ou 10 heures, 12 heures. Tu demandes encore avoir des heures supplémentaires. C'est bien. Parce que les heures supplémentaires sont bien rémunérées. Amen. Ils sont vraiment bien rémunérés. Mais est-ce que quand tu pries, tu demandes aussi d'avoir des heures supplémentaires avec Dieu? Amen. Si tu priais une heure, tu peux aussi donner des heures supplémentaires à Dieu. Alléluia. Parce que si toi tu donnes des heures supplémentaires à ton travail, parce que tu sais que tu seras bien rémunéré. Or la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches l'Éternel, tu seras mieux rémunéré que ton travail. Parce que ton travail, on va te payer peut-être une journée supplémentaire, 500 euros, 1000 euros, ok. Mais tu vas prendre cet argent-là, tu vas le gaspiller. Ça va s'épuiser. Par contre, le rémunérateur, lui, pendant le moment de détresse, il sera avec toi. Alléluia. Dans la souffrance, il sera avec toi. Dans la maladie, bien-aimé, il va se présenter comme Jéhovah. Alléluia. Comme Jéhovah l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. C'est par ses maîtres ceux que nous avons été guéris. Ça veut dire que tu vas déclarer des choses. Ça veut dire qu'au lieu d'une heure, tu rajoutes, si tu veux, même au début, tu peux rajouter 20 minutes. Mais pendant les 20 minutes, tu déclares la parole. Alléluia. Amen. Tu déclares la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Le Seigneur va te rémunérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous passons beaucoup de temps dans la distraction. Alléluia. Amen. Si nous disons que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, c'est ce que l'on appelle la tentation. Amen. Bien aimé, la tentation, c'est quelque chose qui est inévitable. Inévitable. La tentation ne peut jamais finir dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que nous savons tous que c'est un combat que nous avons vraiment décrété avec le monde des ténèbres. Oui. Ça dit que le monde des ténèbres ne sera jamais content de te voir en prière. Le monde des ténèbres ne te verra
ne sera jamais content de te voir servir Dieu. Alléluia. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu sers Dieu, le monde des ténèbres n'est pas content. Alléluia. C'est pour ça qu'il cherchera toujours à te faire tomber. Amen. La tentation, c'est être exposé au danger. Amen. Les dangers peuvent arriver, bien-aimé. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as une vie de prière, bien-aimé, le Seigneur a la capacité. Comme Jésus-Christ a dit, je sais que tout est possible à toi. Donc, quand il y a la tentation qui arrive, quand tu as prié, amen, quand tu avais recommandé ta journée entre les mains du Seigneur, bien-aimé, n'importe quelle tentation, n'importe quel danger qui va arriver, le Seigneur va les dégager. Parce que tu as prié. C'est quand même bizarre de voir un enfant de Dieu qui se réveille le matin sans prier. Alléluia. Nous savons qu'un enfant de Dieu qui est conscient de sa situation, qui est conscient qu'il a la guerre contre l'ennemi, sache-le que l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Et si tu sais très bien qu'il rôde comme un lion, bien-aimé, on ne dit pas comme un agneau, mais comme un lion. Nous savons tous que le lion, il est dangereux. Alléluia. Un enfant de Dieu commence sa journée à chier. Amen. Un enfant de Dieu commence sa journée à genoux. Ça veut dire qu'il commence sa journée en prière. Quand je dis à genoux, je dis en prière. Pourquoi? Parce que des fois, la prière matinale peut nous trouver aussi au travail. Alléluia. Tu peux être là avec tes collègues, tu mets tes écouteurs, mais tu es en prière. Alléluia. Tu commences ta journée avec Dieu. Si tu commences ta journée avec Dieu, bien-aimé, tu seras épargné de beaucoup de choses. Amen. Je me rappelle une fois, ma soeur me dit, mais Nana, tu me dis toujours que vous avez la prière matinale, ça commence à quelle heure? Je lui ai dit qu'on commence de 5h30 à 6h. Elle me dit, donne-moi le numéro. Je lui ai donné le numéro. Elle m'a dit, Nana, à chaque fois que, depuis que tu m'as donné le numéro, à chaque fois que vous êtes en prière, je suis toujours dedans. Même si je ne parle pas fort, mais j'ai compris que je dois vraiment commencer la journée avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle a compris qu'au début, quand elle s'est réveillée le matin comme ça, elle sortait comme ça. Normal. Mais elle a compris que depuis qu'elle a commencé à préparer sa journée avec Jésus, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, tu peux distribuer les numéros de la conférence. Yes. Amen. Amen. La conférence, ce n'est pas seulement pour l'église. C'est pour tout le monde. Amen. C'est pour toute personne qui veut commencer sa journée avec Jésus. Amen. 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 C'est très important, bien-aimé. Parce qu'à chaque fois que tu ramènes quelqu'un à Dieu, dans le Seigneur, ou sur la bonne voie, il y a une récompense aussi pour toi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit commencer sa journée en prière. Tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer devant toi. Tu te remets, tu ne peux pas, tu vas au travail. Mais tu sais pas ce que l'ennemi a déjà piégé. Tu as déjà piégé, bien-aimé. Alléluia. Même au travail de tes collègues. Amen. Même au travail de ton patron. Je me rappelle une fois aussi, une servante de Dieu qui m'appelle et me dit, Nana, tu dois faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas au travail. Moi, j'ai dit avant, elle me dit oui. Elle m'a dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai dit, gloire à Dieu. Je me suis mise en prière. Quelques jours après, ma collègue me donne de l'eau. J'avais très soif. Elle me dit, ah Nana, tu transpires, tu veux de l'eau? Moi, j'ai dit oui. Je prends de l'eau, je bois. Mais cette eau-là m'a tellement fait du mal. Je n'ai jamais souffert de ma vie comme ça. Je n'avais jamais souffert de ma vie. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, je suis trop mal. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Après, je me suis rappelé de la parole de la servante de Dieu qui m'avait dit, fais attention. Il y a une de tes collègues qui ne te supporte pas parce qu'elle sait que tu pries. Alléluia. Donc ça veut dire que ma présence l'a dérangé. Bien-aimé, ta présence doit déranger le monde des ténèbres. Amen. Partout où tu passes, au travail, bien-aimé, ils doivent savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu dois parler de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous ne devons pas avoir honte de la parole. Ne dis pas que si je prêche ou je parle de Jésus, ils vont croire que je ne suis pas connecté. Non, bien-aimé, on est là pour l'évangile. Alléluia. Mais ça nous a demandé de faire de toutes ces nations d'être ses disciples. Nous devons parler de la part de Jésus. Alléluia. Nous devons évangéliser partout où nous passons, bien-aimés. Nous devons marquer. Nous devons nous faire remarquer que nous portons un Dieu qui est vivant. Amen.
Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se sont dit qu'ils étaient des dieux. Aujourd'hui, ils sont morts, jamais ressuscités. Mais nous, on a un Dieu qui avait promis, je vais mourir, mais après 3 jours, je ressusciterai. Et aujourd'hui, nous savons que notre Jésus est ressuscité. Amen. Il vit en nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, j'ai remarqué encore le manque de prière. Le manque de prière dans la vie d'une personne, c'est comme une personne. Si tu manques la vie de prière dans ta vie, bien-aimé, c'est comme une personne qui est aveuglée. Alléluia. C'est comme si on t'avait mis un bandeau sur ton visage. Tu vois ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. Parce que si le diable veut t'attaquer, il va t'attaquer parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Alléluia. Le manque de prière. Tu deviens comme un aveugle, bien-aimé. Tu ne vois pas ce qui va arriver. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, je vais lire la parole. À partir du verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Bien-aimé, je vais sauter d'autres versets parce que c'est très long. Je descends au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Alléluia. Bien-aimé, ici nous voyons un serviteur de Dieu au nom de Daniel. Alléluia. Daniel était aimé par le roi Darius. Alléluia. Mais son entourage ne le supportait pas parce qu'il trouvait qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. C'est comme je vous dis, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu as un esprit supérieur. Le diable a peur de toi. Alléluia. Parce qu'il sait qu'en toi, tu as un esprit supérieur. Donc cet entourage ne voulait pas de Daniel. Du coup, ils ont comploté quelque chose pour faire périr Daniel. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, quand le complot a été fait, ils sont partis voir le roi pour lui dire que la personne que toi tu aimes beaucoup, le décret que toi tu as déjà sorti pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions adorer ta statue, lui il refuse de t'adorer. Il continue de prier son Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es enfant de Dieu, bien-aimé, quand le Seigneur nous demande de prier, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Alléluia. C'est pour nous parce que le Seigneur voit les dangers qui sont devant toi. Lorsque toi tu prieras, bien-aimé, les dangers ne vont jamais t'atteindre. Alléluia. Lorsque Daniel a entendu ces choses, la Bible dit que Daniel, il a commencé à prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pourquoi? Il cherchait la face de l'Éternel. Il voulait confier son problème à Dieu. Alléluia. Amen. Daniel ne savait pas que pendant qu'il était en train de prier, il était en train de tracer son chemin. Alléluia. C'est comme toi et moi. Lorsque nous prions, bien-aimés, des fois nous prions juste par ignorance. Mais sachant que lorsque nous prions, il y a une armée céleste aussi qui s'élève pour nous. Amen. Alléluia. Pour combattre pour nous. Daniel a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de compte, le roi, comme Daniel ne voulait pas adorer le roi, il ne voulait pas adorer la statue du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans le piège de l'ennemi. On l'a jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Mais la Bible me dit, alors que le roi donna l'ordre et qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne puisse changer
à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûner. Alléluia. Bien aimé, pendant que toi tu ne veux pas prier là, il y a des personnes qui gênent pour ta chute. Alléluia. Ça va te paraître bizarre. Mais sache-le qu'à chaque fois que tu croises les bras, tu ne pries pas, il y a d'autres personnes qui sont là en train d'allumer le feu pour que tu tombes. Aujourd'hui, tu es jeune, tu connais le Seigneur. Ne pense pas que le diable va te laisser comme ça. Il va chercher une occasion pour te faire tomber. Alléluia. Il va chercher une occasion. Tu vas te dire que non, je vais déjà à l'église. Je sers Dieu, oui. Mais le diable va chercher une occasion pour te faire tomber. Alléluia. S'il ne te trouve pas dans l'impudicité, il peut te trouver dans le vol. Amen. S'il ne te trouve pas dans le vol, il peut te trouver dans la désobéissance. Mais ces gens ont cherché comment faire périr Daniel, mais ils n'ont trouvé aucune faute en Daniel. Parce que Daniel était fidèle à Dieu. Parce que Daniel craignait Dieu. Bien-aimé, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Fosse au lion. Alléluia. Mais le lion, la Bible me dit que le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Amen. Quand Daniel priait, ça veut dire qu'il avait déjà préparé son chemin. La prière a sauvé la vie de Daniel. Bien-aimé, si tu pries, la prière est capable de te sauver. Même devant les difficultés atroces, bien-aimé, la prière est capable de te délivrer. Même devant la maladie. C'est pour ça que je dis que la tentation est inévitable. Elle va arriver. Je ne peux même pas dire qu'elle peut arriver, mais elle va arriver. Alléluia. Mais si tu demeures dans la parole, dans la crainte de l'Éternel, tu gardes ta fidélité avec Dieu, tu seras épargné. Amen. Alléluia. Amen. Le lion n'a pas pu toucher Daniel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, la fournaise n'a pas pu consumer les trois compagnons de Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur fidélité envers ces dieux-là. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te demande juste une vie de prière. Te demande d'être vigilant. Te demande d'être attentif. En tant que chrétien bien-aimé, nous devons prier. En tant que chrétien bien-aimé, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas plonger dans le sommeil. Alléluia. Nous ne devons pas plonger dans le sommeil. Notre esprit doit être toujours disposé pour écouter Dieu. Alléluia. Pour écouter Dieu au travers de la parole, au travers de la prière. Alléluia. Dieu nous attend quelque part. Alléluia. Amen. Dieu t'attend quelque part. De là où tu es, tu sais que tu as des problèmes sérieux. De là où tu sais dans quel domaine de ta vie où rien ne marche. Mais tu croises les bras. Sache que le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Il te demande encore de prier. Parce que si aujourd'hui tu es encore là, bien-aimé, c'est qu'il y a des choses que le Seigneur t'a préservées et toi tu n'as pas vu. Alléluia. Mais le Seigneur aujourd'hui te demande de prier. Il t'attend quelque part. Il veut une intimité avec toi. Alléluia. Il te dit de faire attention parce que nous-mêmes, comme on est là, on ne sait même pas quand est-ce que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Amen. Nous ne savons même pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. C'est pour ça qu'il nous demande d'être éveillé, alléluia, pour entendre le son de la trompette. Alléluia. Quand tu seras éveillé, bien-aimé, tu entendras le son de la trompette. Mais quand tu ne mènes pas une vie de prière, bien-aimé, le son de la trompette, tu ne vas pas l'entendre. Alléluia. Le Seigneur nous aime et nous fortifie. Il nous demande vraiment de prier. Il nous demande vraiment d'éveiller. Alléluia. Veillez sur notre vie. Veillez sur tout. Alléluia. Pour toutes choses. Parce que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Plus nous allons chercher Dieu, plus nous allons nous approcher de Dieu, lui aussi, il va s'approcher de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.